C'était quoi ça? Oh mec, ça va, déjà ta maison? Moi, ça va, moi. Mec, ça va? Il y a de la foudre qui est tombée à côté. Il y a de la foudre? Mec, mais what? Il pleut pas? Je te jure, il y a des trucs bizarres qui sont passés. Non, il y a eu de la foudre. Tu sais, c'est les tempêtes sèches. Ah oui, ok. Moi, j'ai pour objectif de continuer ma petite maison. En fait, votre vie là. Ok. J'espère pour toi que ça va bien se passer, quoi. Moi, je dois aller prendre du bois. Allez, j'en reviens. J'ai fait 20 bois noueux. Et les gars, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Ça vous dit, les gars, on fait une autre série? Très bonne idée. Bah ouais. C'est mec. Ah ouais, c'est vrai que là, on est un peu foutu. Allez, ma nouvelle maison, ça va être une tour de guet. Tour de guet, pourquoi? Parce que. Ouais, vas-y. Parce que quoi? Non, mais il a raison. Il y en a besoin. Il y a besoin d'une tour de guet. T'aurais pu faire une tour d'hétéro, quoi. Enfin. C'est nul! Je vais la faire en hauteur, ma nouvelle petite maison. Charme. Ouais, Théo. Bien, suis-moi. Il y a un problème auquel il faut remédier. Ok, donc là, l'objectif, parce que ma maison, en vrai, elle est un peu petite, et je trouve qu'elle est trop banale à côté du village. Regardez, celle de Théo, elle est trop, trop belle, tu vois. Donc là, ce que j'ai envie de faire, regardez, on va faire une tour de guet pour vraiment déjà avoir tout le visuel sur tout le monde, et vraiment être différent, parce qu'en vrai, les gars, là, on va essayer de se faire un truc original. Par contre, j'ai plus beaucoup de bois. Du coup, là, la mission, c'est d'aller en chercher. Il y a pas mal de... Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hey, ma maison! Qui a fait ça? Qui a fait ça? Théo, c'est... les gars... Non, je te jure, c'est pas... Non, je te jure... Les gars, tout le stuff gratuit, les gars, regardez! Ça a explosé! Les gars, ils ont détruit ma maison. Oh les gars, on avait besoin de bois. Eh ben on avait besoin de bois. Hein. Tu fais chez moi? Non, dégage. Ma maison. Expulse-le. Non. Les gars, ils ont détruit ma maison. Non, il y a des trucs importants pour toi dedans. Du bois pour reconstruire ta maison. Voilà. Les gars, ils ont fusillé ma maison. Oh non. Mais non, en fait c'est pas ça. J'ai accepté la demande de Charles. C'est qu'on a envie que t'habites avec... Ouah. Comment ça? Quoi? T'as accepté ma demande? Donc là il y a une alliance contre moi là. Non, Charles il m'a proposé et moi je lui dis ok vas-y. Mais je fais je veux que Daphim habite avec moi. Et lui il m'a dit non, je veux qu'il habite avec moi. C'est parce qu'on veut que t'habites avec nous en fait. Commencer la construction d'une autre maison. Bah oui, c'est pour ça aussi. On s'est dit ouais, de toute façon il va déménager, faut faire de la place. Yes, c'est mon titre de vidéo. Daphim, ça va être genre des maisons qui explosent d'affilée, tu sais. Les rôles sont inversés. Hein? Comment ça? T'inquiète. Bon, laissez-moi reconstruire ma maison là, lui dire n'importe quoi. Non, mais on te laisse tranquille. Non, j'ai plus de bois. En vrai, je vais me permettre d'aller prendre du bois chez lui parce qu'il a détruit ma maison et ça se fait pas. Oh, il a pas une TNT sinon? Est-ce que je peux utiliser des explosifs contre lui? Oh, poudre explosif. Hop là, je prends un peu de bois. Faites quoi les gars là? Je suis en train de prendre du bois moi pour... Là mec, on est en train de faire une maison, elle est immense frérot. Pour ma maison que vous avez détruite. T'inquiète, on refait plus jamais ça de notre vie. Ok c'est parti, let's go. Ma maison est bientôt finie moi. Ah c'est cool. Je pourrais avoir vos petites maisons de noob là. Nos maisons déjà elles sont très bien, je sais pas ce que tu racontes. Petit build là. Il manque le petit dernier ici. Quelqu'un a des tiges de bois les gars? En fait vu que j'ai plus de coffre, mon inventaire il est plein. Ah c'est con putain. Alors là les gars, je vous explique mon objectif. Il y a Théo qui a détruit ma maison. Et ça va pas se passer comme ça, parce que là il faut leur petite maison tranquille. Mais on va se venger, parce que oui, on construit ma maison. Mais la deuxième étape du plan va être pour moi d'aller exploser la maison, parce que j'ai volé chez Théo de la poudre d'explosif qui va me permettre les gars de construire de la TNT. Les amis, ça va repartir en exploration. La cabane est terminée les gars, elle est fonctionnelle. Ah ouais? Pour moi elle est presque finie ma petite cabane que je construirai frérot. Ok. Ah. C'est très bizarre. Les gars, j'ai fini ma petite maison, let's go. Et mec, tu viens de casser des arbres qui sont tellement là depuis tellement longtemps, juste à côté, et jamais personne les a touchés. De quoi parles-tu? Pas du tout de quoi tu parles. On aurait pu les laisser ceux-là pour que ça fasse un peu de décoration, t'as vu? Bah fallait y penser avant de détruire ma maison. Mec, si tu le prends comme ça aussi... La tour de guerre Rodin, ma nouvelle maison est terminée. Ah là là, les gars, qu'est-ce que je suis bien. Je vous vois, vous, les petits du village, là. Attends, j'ai construit mon petit lit. Je vais être bien, très très bien. Let's go. Ah, trop stylé. Félicitations, qui se ressemblent pas les couilles, frère. Et ouais, avant, tu disais un autre mot quand tu disais félicitations. Tu disais genre, félicitations. Et toi, tu disais un autre truc, genre. C'est quoi déjà, j'ai oublié. C'est vrai que maintenant que tu me dis ça. Mais n'importe quoi, j'ai jamais dit autre chose. J'ai toujours dit félicitations. Bon, les gars, maintenant, j'ai fini ma petite maison. Il est l'heure pour moi de me manger. Il est l'heure pour moi de faire péter la maison de Théo. Alors comment faire de la dynamite? Il me faut des tiges de bois noueux. Faut que j'aille miner les gars si je veux du bois noueux. J'allais me faire un petit coffre je pense pour pouvoir mettre tout ce qu'il y a dans mon inventaire. Faites quoi les gars? On bosse. Là ça mine du marbre là, hein. Ça mine du marbre, on est à 74. Je commence à en avoir pas mal aussi je crois. Allez moi je prends un peu de bois. Là j'ai juste envie de finir bien ma maison, faire un petit coffre, ça va être bien. Ah un squelette. Oh esquive, tac, esquive. Oh là là ce que je l'ai mis les gars. C'est une dinguerie d'être fort comme moi. Excuse-nous DHM. Ok il est là, hop, esquive. Tu veux qu'on t'aide ou pas? Non mais les gars je suis trop chaud. C'est une folie de...
comme ça. De quoi Théo, tu dis quoi aux abonnés? Je disais que c'était une dinguerie ce que t'as fait, hein. Bah t'as vu mec, trois squelettes, tac tac tac, esquive. Ouais, j'ai dit grosse folie frère, incroyable. T'as vu ça? T'es trop chaud mec. Ok, on est de retour, j'ai mis cette planche, je vais aller faire mon petit coffre en haut. Moi je suis bien les gars. Putain mec, le village comment il step up, après ça va être de l'or à aller chercher je pense. Ok enfin les gars, j'ai enfin créé mon coffre, let's go. Il faut que je fasse le casseur de pierre pour qu'on ait de la pierre infinie. Je pose un casseur de pierre ici là en bas là. En bas là. C'est quoi le casseur de pierre? Oh j'ai compris, maintenant tu peux faire des blocs de marbre et des blocs de granit. Attends, j'ai essayé un petit bloc là de granit, voir ça ressemble à quoi. Où est-ce qu'on a du granit les gars? C'est la pierre de base de granit, la pierre nulle là. Alors les gars, je vous explique, il faut qu'on ait full granit, ok. Et qu'on en fasse des blocs de granit dans le casseur de pierre, ok. Ok les gars, il est l'heure pour moi d'aller détruire la maison d'Unchain. En vrai les gars, c'est quoi? On va garder ça de côté. On va garder ça de côté. C'est mieux si je le détruis quand ça a beaucoup step up quoi. Pour encore améliorer le village. Ouais, les gars, vous voulez faire quoi du coup là? Il faut qu'on fasse le granulateur. Parce qu'en fait, j'explique, à chaque fois qu'on améliore le village, on gagne des postes de travaux. Exactement, comme sur Clash of Clans. Allez, c'est parti. Pour faire un bloc de granit, il faut combien de granit? Et pourquoi tu veux du granit? Je les mets dans le truc à pierre là. Qui pierre? C'est un gars, pas d'abord. Les gars, on peut faire une épée longue. Jure, fais voir. Hop là, allez, ciao. On fait une épée, quelqu'un m'a volé une épée. Non, mais Théo, ça c'est pas de voler l'épée. Bah, c'est pas moi. Les gars, pour améliorer le village, il nous faut du marbre. Ah, j'en mets en préparation. Ensuite, il nous faut des planches, ça va vite, je vais aller prendre du bois. Seulement, j'en ai mis 20. Bon, tout est full. 5 minutes plus tard. On va découvrir un truc dans le ciel. C'est un arc-en-ciel, c'est tout. J'y vais, je suis presque. Viens, on y va en équipe au cas où, on sait jamais. Oh les gars, j'espère que ça va pas partir. C'est parce qu'il pleut, c'est pour ça qu'il y est. Ah, par contre, les gars, on arrive dans une zone bizarre. Oh les gars, il y a un dinosaure. La vidéo, il y a un dinosaure. Oh les gars, j'y suis. Attends, c'est quoi? Viens, on y va. What the fuck les gars, c'est quoi? Attention, il y a un loup, Unchain. Ah, allez, on tue le loup. What? Ouais, il est fort ce loup, hein. Ah ouais, c'est pas le loup de... Attends. Il y a un coffre en dessous, légendaire. Déjà, on est dans le désert, c'est bizarre. Il y a des gens dessus. Le loup. Attention, le loup. Charles, il y a des gens sur le nuage. Ouais, de ouf. Oh, le coffre de fou. C'est quoi ce coffre? Il danse et tout, frère. Ah, il y avait quoi dans le coffre? Dans le coffre, il y avait rien. Comment t'as fait l'escalier? T'es trop fort, frère. Hop là. What? Ah. Ah. Mais what? Les gars, c'est un troll du jeu là. What the fuck? Et si on danse avec eux, peut-être qu'ils vont nous donner des trucs. Danser les gars. Ah vas-y. Comment on fait pour danser? Ah c'est bon. Oui. Oh. Et c'est quoi les bails qu'ils t'ont donné? Ils m'ont donné des épées communes. Les gars, retour à la base, faites gaffe, il y a un monstre. Il y a un monstre entre nous et la base les gars. Elle fait 0 dégâts. Oh, je vais mourir. Un peu la merde les gars. Oh le loup, il est chaud. J'arrive. Oh. Il est pas. C'est bon. Oh. T'inquiète, je suis là. Fais gaffe, s'il te touche. Attends, je viens t'aider. Ah, j'ai plus d'HP que toi, moi, je t'inquiète. Ok, bien joué. Oh là, l'esquive que je viens de faire, allez, cavale des HM. En vrai, les gars, c'était une bonne découverte, hein, j'ai grave kiffé. T'as vu les squelettes, ils étaient différents, ils avaient un petit chapeau là dans la zone des sables. Ouais. En fait, eux, c'est des cow-boys. Bon, les gars, venez voir ma petite maison là. Waouh. Vas-y, j'arrive. Je vais monter, moi. Ah, t'as mis des bougies et tout. Ouais. Waouh, ça fait incantation de malade. Ah, sympa ton coffre. Les gars, je vais aller en exploration. Est-ce que vous avez fait la grotte dans le désert ou pas du tout? Après, tu peux venir à ma grotte hein, si tu veux, parce qu'en fait, il y a des monstres qui ont respawn. J'arrive dans la grotte, c'est parti. Wouhou. Ok, je te vois. C'est quoi le plan là, Théo? Bah moi je farm et toi tu me protèges. Bon attends, eux je vais aller les tuer là. Voilà, eux par exemple, tu les s'il te plaît. Ah mais j'ai des pierres, ok. Oh, c'est quoi ça? Ah. Ah, oh, je suis mort, c'est quoi ça? Non, j'arrive. C'est quoi ce monstre de... T'es mort contre ça? Il m'a pris de surprise, il m'a mis un cœur, il m'a wet. Ouais, mais... Oh, les gars, j'ai un drop, la vie de Wham, j'ai un drop. Et j'espère qu'il y a un truc bien dedans. Ah, je l'ai entendu. Oh, Théo, tu vas être content. Les gars, j'ai chuté l'explosif pour faire exploser la maison de THM partie 2. Comment ça, mon ref? Ah, je t'entends, là, t'es au courant? Est-ce que c'est vraiment utile, les champignons ou pas? Ah, on n'a pas encore trouvé l'utilité. Ok. Bah, elle est petite, cette grotte, en vrai. Hein. Je vais rentrer à la base. Ouais, les gars, rentrez. Attends. Les gars, il y a un feu de camp avec des gens. C'est quoi, ça? Oui, non, n'y va pas. Ah, c'est des bandits. Rentrez, vous êtes trop loin. Voilà, les gars. Les grottes, c'est un glitch parce que du coup, ça te permet de faire des grandes distances d'un coup. Et quand ça fait penser, mec, ça fait penser au Nether. Ok, let's go. Ouh, ok. Mec, t'es encore loin. Je suis où là? Mais ça va, t'es moins loin. T'es beaucoup moins loin. Oh, des vaches. Oh, j'ai de la TNT. Quoi? Ouais, ça va quoi, les gars? Ouais, c'est parti. Oh non, encore lui là. Oh, ça a explosé. C'est quoi ce logo là? Ah, il y a un dinosaure. Oh, il y a un loup aussi. Oh, je suis foutu. Aide. Attends, je suis dans un bush, frérot. Il y a deux loups autour de moi. Et c'est pas les mêmes loups qu'à côté de nous. Ouais, c'est les loups du désert, je pense. Ouais, de la glace. Allez, cavale. Mais cavale. Ok, les gars, je me suis échappé des loups et du dinosaure. J'arrive. Ouh, les gars, je suis enfin là. Du coup, les gars, j'ai un milkshake. Milkshake, il donne plus 12 de vie, c'est bien. Ouais, c'est énorme, frérot. Hein, plus 12 de vie, frérot. Les gars, moi, je fais un coffre pour me vider. Et après, je prépare l'exploration avec vous. Les gars, on va devenir trop chaud. On va devenir trop chaud, let's go. Hey, Théo, t'as pas l'impression qu'on fait tous nous deux, genre?
Non mais les gars aussi, frère, c'est une dinguerie, les mecs ils détruisent ma maison et après ça dit ça. 3 ans on a détruit sa petite maison, il y avait un lit à coffre, il la sort tous les jours. Vas-y, 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 bah on va voir quand je vais détruire ta maison. Voilà. Après si tu détruis ma maison, t'as tout drôle. C'est bon les gars, on peut faire des placards et des armoires. Et ça sert à quoi? À ranger. Les gars, on a débloqué les coffres moyens? Non. Si, regardez. Ah ouais. Alors faut du bois de noueux et du bloc de marbre découvert par tout Théo. Vas-y, je vais essayer, je vais essayer. Peut-être que l'armoire on peut la fermer contrairement au coffre. Comment ça? Avec un code? Ouais. Zarma, tu crois on est sur reste ou quoi là? Les gars, ne mettez pas d'armoire. On peut mettre combien dedans? La même chose que le coffre. En fait, derrière c'est un cobaye. Granulateur, vous l'avez mis ou pas? Oui, je pense. Pressoir. On est dans une vidéo de MrBeast ou quoi? Mais mec, c'est alors là les gars, quoi. Regardez ce qu'on a débloqué. On a débloqué des pioches de rareté bleue. OK, alors comment on les fait ces pioches? Il faut des griffes de sable et des tiges de bois souples. J'ai jamais vu ça de ma vie, je sais même pas où ça se trouve. Alors, j'ai une théorie les gars, l'ambre c'est un arbre. Du coup je pense qu'il va falloir aller couper un arbre à un certain endroit. Ouais. C'est une dinguerie. Et comme ici il y a pas beaucoup d'arbres, faut aller à un endroit où il y a beaucoup d'arbres. Ah bien vu Sherlock. Les gars, je vais faire un petit pressoir si on a qui veulent des petites boissons aromatisées. Du milkshake, ça fait plaisir. Hop là, il est posé les gars. Petit pressoir. On peut faire un bleuvage. Oh les champignons. Mais un milkshake. Mec, y en a un, ça te donne plus 12 cœurs pendant 10 minutes le milkshake. Les gars, faut faire des milkshakes et en plus j'ai Les gars. Du symphorine, j'en ai. Les gars. Ouais, en vrai, là, ce qu'on peut faire, c'est aller faire l'exploration, non? Ouais. Qui veut des milkshakes? Je peux en faire deux. Moi, je veux un milkshake. Attention, hop là. Attends, je bois un milkshake, attention. Mais j'ai pas dit cœur. Qui le monteur qui a dit ça? J'ai juste résistance au feu. En fait, je crois que le milkshake, ça fonctionne quand t'as vraiment. J'en reviens un petit. Non, mais peut-être, ça te remet à 10 cœurs d'un coup. Alors, les gars, en vrai, là, ce qui peut m'intéresser, c'est de faire cette amulette là. Elle me permet d'avoir 3 cœurs supplémentaires, les gars. Je crois que je peux me la faire, hein. Attends, comme ça, on va avoir beaucoup d'HP avant l'exploration. C'est parti, fabriquer. Ok, donc là j'ai 5 HP, c'est carré. Je te propose qu'on aille aller chercher du bois, comme ça on peut être bien après améliorer le village avant l'exploration. Vas-y, let's go, on va chercher du bois. On peut aller celle dans le désert en vrai de vrai. Il vient avec nous, Mouse, non? Ouais, il est avec moi, Mouse. Allez, j'arrive, c'est parti, exploration. Elle est trop bien placée, notre base. Petite plaine tranquille, mais en même temps, il y a des grottes, tous les biomes à côté. Oh, mec, il y a un putain de dragon, mec. Oh. Attends, elle est où la grotte? Je suis à la grotte, elle est à ses pieds, frérot. Attends, viens. On contourne. Oh, les gars, il y a un dragon. Alors, lui, je t'explique, c'est l'un des boss les plus chauds du jeu. Tout à l'heure, je suis mort. Enfin, je suis pas mort, mais genre, j'ai un HP de mourir, genre. Ah, il y a un loup. Ah, je compte un loup. Ok, hop, le loup, c'est ciao. Mec, faut vraiment pas qu'on tombe avec le dragon, sinon on est vraiment foutu, mec. Normalement, on est à la grotte là, normalement. Allez là. Vas-y, j'arrive. Vous avez super chaud. Ah, et comment je fais pour pas avoir super chaud? Ouah, fait chaud là. Ouais, mec, je pense qu'il faut qu'on parte. On a pas la résistance pour. Ouah, je suis en train de crever. T'es sûr? Attends, en vrai de vrai. Mec, il faut qu'on mange un truc. Attends, mec, qu'est-ce qu'on peut prendre? Du lait par exemple? Du lait. C'est des boissons spéciales, genre. Ah ouais, mec. On peut aller vers où? Tout droit, il y a une grotte tout droit. Ouais, c'est parti. Il y a un pont là-bas. Où ça? Là. Ah, fais gaffe. Oh! Ils sont méchants. Attends, on les fume. Ouah. Ils sont beaucoup, hein. Allez, on y va. On les a détruits, frère. Okay, bien joué, fais gaffe. Elle, c'est la boss. Voilà, hop, la boss, ça dégage. Oh! Oh mon dieu. On a eu un petit milkshake. Il y a un coffre. Je vais voir le petit milkshake, hein. Ok, j'ai une torche. Bah, c'est pas mal. Et voilà, frère, on est bien là. Mec, je sais comment on fait pour aller dans la grotte. Ah ouais? En fait, là, j'ai un milkshake. Et quand on le boit, on a résistance feu pendant 10 minutes. Oh! T'en as deux? Viens, on va en crafter un vite fait. Et on revient, let's go. Vas-y. Frérot, ton milkshake est en construction. Let's go. Je vais voir le dinosaure. C'est le mec, c'est un fou. Oh là là, il arrive. Non, frérot, t'as fait quoi? Il a été attiré par une poule en fait. Oh. Tiens, viens prendre ton milkshake, viens, on va miner. Oh, regarde. Bon, les gars, on va mourir. C'est juste pour l'expérience. Je vais faire d'un 90 degrés, espace 12. Et là, bah regarde. Vas-y, je te regarde de très loin. Moi. J'ai touché. En vrai, je pense que je peux le terminer comme ça. Hein. Essaye. Je mets masse dégâts. T'arrives en vrai, mec. Et si j'arrive à le terminer comme ça, ce serait une masterclass. T'as combien de flèches? J'en ai 10 encore. Je mets 5 dégâts par 5 dégâts. Attends, je vais essayer d'aller voir ses HP. Je me rapproche un peu. Ouais, dis-moi ses HP, j'ai plus de flèches. Ok, attends, je me rapproche. Maintenant, j'ai plus de flèches. Il a combien d'HP? Oula. Il a combien d'HP? Il est full! Non! Cours! Oh, on est foutu. Non, il est pas full. J'ai pas vu. Oulala. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Cours! Peut-être qu'il a un HP, hein. Bah vas-y, je te laisse aller voir. Vas-y, j'y vais. Tu sais quoi, les gars? Je l'ai mis low, il faut que j'aille voir combien il a d'HP.